Bon bah Philippe. Bon Gaspard. Hello Gaspard, hello Philippe. Bah déjà merci de nous avoir accueillis. Pour, merci à vous ici, d'être venu. Ouais. Ici déjà en Belgique, hein, c'est notre première installation en Belgique, donc ça fait une première. Qu'est-ce qu'a été un petit peu votre réflexion, votre démarche par rapport à l'habitat, à votre maison, quand vous êtes installé ici? Ouais, c'est un petit peu une conjonction d'opportunités qui se présentent. Hein. Il y avait l'action qui a été faite en Belgique pour tout ce qui est aide à l'investissement pour les panneaux solaires. Donc, on se demande toujours comment on peut finalement concrètement essayer de faire quelque chose. Hein. Il y a un discours ambiant, changement de paradigme. On en parle beaucoup à l'apéro avec les copains, mais il faut passer à l'acte. Et même si l'acte, on ne sait pas s'il est parfait, s'il est bon. Voilà, les premières étapes, c'était les panneaux, ce qui a permis même d'alimenter maintenant une voiture électrique. Et donc, la réflexion suivante, c'était de dire, on s'est un peu cassé les dents sur un potager à l'arrière, parce que voilà, on aime ça, manger des bons légumes, mais on n'est pas des fans du potager, on a nos loisirs aussi ailleurs, on aime bien la mer, bateau et choses comme ça. Donc, l'idée de pouvoir faire à un moment donné des légumes maison, bio, sains, sans y passer trop de temps, c'était très tentant. Et voilà, la promesse My Food était là. On verra si je réalise, ben voilà, mais les témoignages ont l'air très encourageants. Et puis, l'idée aussi d'avoir un système d'aquaponie avec des poissons. Voilà, c'est pas simplement des légumes, c'est un système qui se suffit à lui-même. On aime bien le poisson. Il faudra juste trouver la bonne espèce. Hein. Le truc qui goûte la vase, on n'est pas trop fan. La carpe qui goûte la vase non plus. Donc, l'idée, c'est de tenter la perche. Voilà. J'ai des bons souvenirs de quand j'étais petit de perche des lacs suisses. On va voir si on peut faire ça à la maison. Puis faire un peu contribuer toute la famille à la serre, à la culture, à faire manger un peu les produits de la serre pour toute la famille. Voilà, l'idée c'était aussi d'avoir un petit côté éducatif. Hein. Je crois que les enfants parlent beaucoup aussi à l'école dans les cours de morale, hein, c'est ça, ou d'éducation civique. D'éducation civique aux petits gestes qui comptent. Voilà, bon, il faut les faire. Donc on l'a fait. Ça marche. C'est encore Gaspou. C'est chouette. Ouais. Voilà. Merci. Il adore ce qu'il y a les poissons. Ouais. Mais bon, je crois que manger les bons légumes, ça lui fera du bien. Ouais, bien sûr, exactement. Voilà, merci à l'équipe en tout cas. Allez, merci. Vous avez fait un déplacement important. Là, ouais, enfin, je vous laisse pour la fin.